Bonjour! C'est dimanche! Je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit, je vais filmer ma journée. Je vais filmer mon dimanche. En plus, cette vidéo sort un dimanche, donc c'est parfait. D'habitude, le dimanche, j'avoue, j'ai toujours des trucs à faire. Genre, je suis toujours en train de faire ma miniature. Je suis en stress parce que ma vidéo sort à 18h. Là, tout est prêt. Aujourd'hui, on se repose. J'ai pas mis de réveil, c'est incroyable. Y a pas de programme aujourd'hui. Je sais que ça serait bien que je passe l'aspi chez moi. Faire un peu de ménage, manger, se reposer, regarder des films, se faire des soins. Un dimanche, genre le dimanche parfait. Déjà, j'ai une révélation à vous faire. Ok, je vais vous dire ce que je fais dimanche. Il y a un marché dans ma ville. Bref, il y a un fromager. Genre le fromage qu'il fait, mais c'est trop incroyable pour que je puisse vous le décrire. Souvent, j'ai grave la flemme, souvent Jérémy, il y va pour nous parce qu'il est trop gentil. Comment la vie, elle est trop incroyable quand tu manges du fromage le dimanche matin. Genre vraiment la française de base. Oui, oui, baguette. Oh my god, je vous spoil la vidéo décoration. J'ai une télé dans ma chambre. J'essaierai de pas trop vous montrer pour pas trop vous spoil, mais ça arrive. Il y a des vidéos appartement et l'appartement tour arrive. Je vais me lever et je vais aller acheter du fromage. Je me suis changée, j'ai mis un pyjama un peu mieux. Unboxing de fromage. Nous avons du pain et nous avons mes deux fromages préférés. Désolée, je sais que vous n'avez pas cliqué sur la vidéo pour ça. Je vous promets que j'essaierai de pas trop en parler. Les poisses, mon dieu, ce nom il dégoûte, je l'adore. Et du Saint-Félicien là. Et du coup, ça matche très très bien avec cette vidéo. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec L'Occitane. Je rigole parce que vous allez rigoler. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle gamme de chez L'Occitane qui est la gamme Artichaut. Alors, comme ça, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est absolument incroyable. Il y a 3 produits dans cette gamme. Le gommage corps, la crème corps et aujourd'hui on va parler du complément alimentaire. Ça me fait extrêmement rire parce que littéralement je vais manger du fromage donc je compte bien avoir mal au ventre. Et c'est exactement pour ça que ce complément est là. En fait, la gamme Artichaut, c'est vraiment une gamme qui est là pour offrir un petit peu de légèreté. Donc pour toutes les personnes qui auraient des problèmes de jambes lourdes, des problèmes de digestion, des problèmes de fonctionnement au global, ce complément alimentaire est absolument incroyable. Et en fait, ce qui est grave cool, c'est qu'il fonctionne super bien avant un repas. J'en suis déjà à la moitié, donc je peux vous dire qu'en fait, on voit les résultats un peu sur le long terme, mais malgré tout, sur la digestion, tu le vois instantanément. Tu sais que tu as mangé un gros plat, ou vous voyez ce que je veux dire? Tu prends ça, t'as le ventre beaucoup moins gonflé et t'as une meilleure digestion, quoi, au global. Je sais que le mot artichaut peut paraître inquiétant pour des compléments alimentaires ou même des produits pour le corps. Je crois que c'est citron vert, il y avait marqué. Ouais, citron vert. Franchement, c'est pas du tout dérangeant. Une cuillère à café dans un petit peu d'eau, ça se boit super bien. Franchement, c'est trop trop bien. Et je suis désolée, je peux pas. Attendez, je vais le chercher. Je ne peux pas passer au fromage sans vous montrer ce truc. Ils ont sorti pour cette gamme un gua sha pour le corps. Excusez-moi, c'est fait pour moi. Pour les gens qui ont les jambes lourdes, les jambes gonflées comme moi. On se comprend. Un petit peu d'eau dans un verre. Notre complément, je mets à peu près ça. Ça a vraiment le goût de citron vert. Prête pour manger du fromage. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à les checker là-bas en haut comme d'hab. Il y a toutes les infos d'ailleurs, je vais vous mettre aussi les autres produits de la gamme, comme ça vous pourrez aller voir. N'hésitez pas à les checker et moi je vais manger mon fromage. Plateau de fromage pour regarder la télé. Il y a trop de trucs, il y a de l'étendoir à linge, il y a une valise qu'il faut que je vide, il y a trop de trucs à ranger. D'abord on mange et ensuite on fait tout ça, on a besoin d'énergie là. Devant bien sûr un épisode de Grey's Anatomy, c'est obligatoire. En plus, franchement, quand je revois des séries comme ça, je trouve qu'il n'y a plus de séries vraiment comme ça. Des séries comme Gossip Girl, Grey's Anatomy, genre c'est tellement incroyable. Je pourrais les regarder 50 fois, c'est ce que je fais d'ailleurs, parce qu'il n'y a rien qui me plaît d'autre. Attendez, on met pause. Est-ce que vous êtes abonné à la chaîne ou pas? Dites la vérité. Je vous dis ça parce que je prépare un truc pour les 400 000. Vous êtes pas prêts. Je dis ça, je dis rien. J'ai mangé une quantité de fromage, vous êtes même pas prêts. Je me suis fait un matcha, étant donné qu'on est dimanche et que la plupart des gens sur YouTube sortent leurs vidéos le dimanche. J'étais en train de regarder ce qu'il y avait et je voulais trop vous parler d'une personne. Bon, elle habite à Miami, donc ses vidéos c'est en anglais. Je sais pas si vous connaissez Valéria Lipovetsky. Bon, j'ai vu qu'elle avait sorti une nouvelle vidéo, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est genre la seule YouTubeuse vraiment que je suis depuis des années qui pourrait me parler de ses orteils que je regarderai la vidéo. Je m'en fiche, genre vraiment je regarde toutes ses vidéos. Récemment, elle a sorti une vidéo parce qu'elle a acheté une maison et tout, bref, on s'en fout. Et elle fait décorer sa maison par une professionnelle. Elle montre quand la décoratrice intérieure lui fait des propositions. Et donc la décoratrice intérieure, elle a quand même fait genre l'intégralité de la maison en 3D avec tous les meubles et tout, des vrais meubles que tu peux acheter, etc. Bref, elle a agi d'une manière mais limite irrespectueuse. Mais je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Vraiment, c'est genre le truc que je raconterais genre à une copine. Je sais pas si c'est très bien d'être ça sur YouTube, mais bon, on s'en fout. Bref, et donc elle agit d'une manière, j'aime pas, je suis désolée, j'aime pas. En fait, c'est la manière, parce que t'as le droit de pas aimer, tu payes quand même pour ça, donc faut que ça te plaise. Mais c'est la manière dont elle a agi. Et depuis, je la vois pas de la même manière. Je suis en mode, est-ce que je me serais pas trompée sur elle depuis tant d'années? Bref, je suis dans le déni, je vais quand même regarder sa nouvelle vidéo. I'll be honest with you guys. Je
j'ai mangé des Bounty. Enfin, j'ai beaucoup de regrets là. Je vais me mettre en rangement parce que ça va pas du tout. J'ai trop envie de ranger toute ma chambre, genre d'aérer, de passer la spie, de faire mon lit, genre parfait. Il y a un truc avec le dimanche qui me rappelle trop mon enfance. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand j'étais petite, mon dimanche de rêve, c'était me faire des petits masques, d'avoir une chambre toute rangée. Et le dimanche soir, d'avoir préparé mes affaires pour le lendemain. Et d'aller dans mon lit en me sentant toute propre, toute hydratée. Ça, c'était mon dimanche de rêve. Est-ce que j'étais la seule ou pas? On va faire notre lit déjà. Je vais mettre de la musique dans mes oreilles. J'irai plus vite. Est-ce que vous voulez voir un truc absolument incroyable? Cet aspirateur, j'ai envie de faire le ménage tellement je l'aime. Et en fait, il y a un truc spécial, c'est qu'il y a un laser, enfin vous allez voir, et du coup on voit grave la poussière. Mais en fait c'est ça qui me donne envie. Limite, je me mets dans le noir, parfois vous savez tellement je suis folle, ça m'arrive de fermer les volets et genre de faire tout mon ménage dans le noir pour bien voir toutes les poussières que j'aspire et me sentir trop bien après. Et là je vais vous montrer parce que ça fait très peu de temps qu'il y a un tapis dans ma chambre et il y a de la poussière. Avoir par TikTok. J'ai passé trop de temps là, ça me saoule. TikTok c'est addictif, ça m'énerve, je perds mon temps, c'est trop chiant. J'étais en train de me dire, on est dimanche, pourquoi pas se commander un petit truc à manger? Mais en fait non, vous savez ce que j'ai dans mon frigo? Ça me donne trop envie là, mais jugez-moi, les repas du jour là, c'est la honte. J'ai de quoi faire, purée knacky. Et en fait, j'hésitais entre me faire des soins maintenant ou quoi, mais je pense qu'il vaut mieux manger maintenant, surtout un repas comme ça, pour mieux dormir. Plus c'est tôt, mieux c'est. Et ensuite, je vais me faire des masques. Dites-moi en commentaire si vous avez, alors ça m'intéresse de ouf, ma peau, en gros, j'ai des pores, pas beaucoup, hein, mais genre je commence à en avoir alors que j'en ai jamais eu de ma vie. Je cherche, si vous avez un truc proche de Paris ou à Paris, un institut ou une clinique ou je sais pas, qui fait des soins au visage, mais genre, je veux que des recommandations d'un soin genre qui vous fait wow, le changement est incroyable pour la peau. Mais vraiment ma peau change là, ça me plaît pas, je vieillis, ça va pas. N'hésitez pas. Que un truc de ouf hein. Ok, pour faire des purées knacky, nous avons besoin de lait. J'achète du lait que quand je fais de la purée mousseline. De knacky, je me nourris très mal. De gruyère, parce que si vous n'aidez pas des gruyères dans votre purée mousseline. De beurre. Et de purée mousseline, bien sûr. Bien sûr que oui. Je dirais pas que j'ai fait une recette, genre que là je suis pâtissière, alors que j'essaye juste désespérément de mélanger ma purée mousseline. Et même ça j'y arrive pas, il y a des grumeaux, donc expliquez-moi. Du beurre, mes petites knackies, j'ai plein de gruyère. Oh my god, le paradis. J'avais de regarder un film là d'ailleurs. Oh, il y a Titanic. Venez, je regarde Titanic. Je regarde Titanic. M'en dites pas plus, je regarde jamais de films. Je suis sortie de la douche, je n'ai plus mon téléphone, ça y est, 22h passées. Je tiens ce que j'ai dit, téléphone en mode avion à partir de 22h et au moins pendant 1h le matin après que je me sois réveillée. Je vais me faire des petits masques. Déjà je me suis fait un gommage dans la douche. Bah le gommage à l'artichaut, incroyable. Et là j'ai pris des petits produits, je les ai jamais testés donc j'ai très peur. J'ai surtout très très peur de tester ce truc qui est un peeling. Et genre il faut pas mettre plus de 3 minutes sur sa peau. Et il y a marqué des dingueries derrière donc ça me fait très très peur. Oh là, c'est chiant à ouvrir. Ça m'a une mauvaise humeur. On dirait du sirop pour la toux. Faut genre masser pendant 1 à 3 minutes. Autant vous dire que je vais faire 1 minute. A few moments later. J'ai la peau super douce. Ok, j'ai deux masques. Nous avons un masque pour les pores. C'est bon, on a compris. Et un masque hydratant à la vitamine C. En plus, Jérémy doit arriver là. Je vais l'accueillir comme ça. Comme ça. Oh, je suis horrible. Ah non, je pensais pas à ce point. Depuis tout à l'heure, je me vois dans le retour, je me trouve affreux. Je trouve que la lumière, elle met pas en valeur. Ouais, je suis vraiment moche, quoi. Mais vraiment, cette chaîne YouTube, parfois, je me dis, demain, si je suis célibataire, mais je pourrais jamais retrouver quelqu'un. Faut vraiment que j'arrive à garder mon mec. Mais on dirait que je fais de la peinture, là. Voilà, il y a plus qu'à... Ah non, attendez, j'ai oublié de mettre un truc dans mes cheveux. On va mettre un petit sérum pour nos racines. Vous avez des astuces pour... Vous voyez, ici, en gros, j'ai un complexe. Mais pourquoi je parle... En ce moment, je parle que de mes complexes. Je sais pas, c'est une mauvaise phase. De toute façon, en ce moment, je suis négative, hein, on va pas se mentir. Ça m'a une mauvaise humeur. Ici et ici, j'ai pas beaucoup de cheveux. Et j'aimerais trop réussir à les faire pousser. Donc là, j'essaye de mettre un peu genre du sérum dans mes cheveux. Et dites-moi si vous connaissez des produits ou des trucs pour cette zone. Ou... Enfin, pas cette zone, mais vous voyez ce genre de choses. Je vais mettre un peu de cette huile, je l'ai jamais essayé. Oh mon dieu, ça sent trop bon.
Comment elles font les meufs pour être stylées quand elles font des masques? J'ai jamais connu ça. On va aller se faire une petite tisane. Parce que je compte bien regarder encore Titanic dans mon lit pendant que tout ça pose. J'ai fait tourner une machine. Elle m'attend pour que je l'étende. Vous savez ce que je vais faire? J'ai pas vu. Jérémy, il va arriver, il va voir. Je sais qu'il va la faire. J'ai rangé toute la maison, c'est bon. Mon rêve, ma chambre toute rangée, aérée, aspirée, tout ce qui est mon et. Bon, il est temps pour moi d'aller dormir. Il est 23h50. Je me réveille dans 7 heures. J'ai plutôt géré, il est pas trop tard. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est une vidéo un peu chill. J'avais trop envie de filmer aujourd'hui. Franchement, j'étais trop bien. Je poste 2 vidéos par semaine, le mercredi, le dimanche. Et n'hésitez pas à aller checker Instagram. C'est là qu'il va y avoir le giga concours pour les 400 000 abonnés. Parce que sur YouTube, on peut pas faire de concours, c'est chiant. Et on se retrouve mercredi prochain dans une nouvelle vidéo.